Pourquoi avez-vous choisi le DCG ? La meilleure solution, on va dire. Parce qu'on vient de STMG au lycée, et donc on trouvait que c'était une bonne suite à la STMG. Aussi parce qu'il y a plein de matières qu'on a déjà vues en STMG, qu'on retrouve en DCG, comme le management, l'économie, le droit, la compta. Pour pouvoir approfondir mes connaissances en comptabilité, en finance et même en droit, c'est une formation à bonne réputation. Alors moi déjà au collège j'étais intéressée par la comptabilité, j'ai fait mon oral de brevet dessus et du coup ça me semblait logique d'aller dans cette filière. Je faisais déjà de la comptabilité en terminale et j'aimais bien ça, donc ça me paraissait assez logique de poursuivre en DCG. Ouais, les ouvertures, c'est un diplôme qui a une certaine prestance. Que pensez-vous du DCG après un an ? Faut être motivé, il y a beaucoup de travail, mais en vrai c'est grave cool, on apprend plein de choses. Alors il y a beaucoup de travail, il faut une bonne organisation, bonne ambiance de classe, tout le monde s'entraide. C'est vraiment cool de travailler dans ces conditions. Beaucoup trop réalisé, mais j'ai une super classe, les profs sont sympas. Ça demande beaucoup de travail, on a une grande diversité des cours, il y a un bon feeling dans la classe. On s'est pas trompé sur notre voie, on aime beaucoup les cours. Je trouve que c'est une formation qui vaut le coup. En deuxième année, on voit des choses beaucoup plus intéressantes qu'en première année. Première année, c'est des choses très très générales. Quels sont les points positifs du DCG ? Large poursuite d'études. Ça forme directement un diplôme. Puis ça ouvre plein de portes dans le monde professionnel. Un grand choix de métier. On s'ennuie pas, on fait pas tout le temps la même chose. Très grande diversité des cours, on fait pas que de la compta. On apprend plein de choses, c'est assez diversifié. On n'a pas de matière qu'on peut juger inutile. Beaucoup d'exercices. Beaucoup de cours. L'ambiance de classe est incroyable. On fait des activités à côté avec la classe, avec les profs. Des bons profs. Les professeurs sont très qualifiés. Que les professeurs soient toujours derrière nous. Quels sont les points négatifs du DCG ? Charge de travail élevée. Le travail. Beaucoup de travail. La charge de travail qui est importante. Beaucoup de travail. Grosse charge de travail. Beaucoup de travail personnel. Les cours ils sont assez denses, assez chargés. C'est très exigeant. Parfois super stressant. Il faut une organisation très assidue. Très intensif. Il faut être motivé, il faut s'accrocher. Le DCG pour vous en trois mots ? Travail. 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 Même. Travail. Enrichissant. Enrichissant. Entraide. Et entraide. Entraide. Organisation. Bonne organisation. Rigoureux. Comptabilité. Exigeant. Exactement. Amitié. Plaisir. Bonne humeur. Fun. J'ai que travail en fait donc. Ok. Compta. Finance. Finance. Comptabilité. Finance. Finance. Droit des sociétés. Droit fiscal. Droit fiscal. Droit des sociétés. Droit des sociétés. Économie. Économie. Communication financière. Communication financière. Économie. Économie. DCG. 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 Pratique. 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 Théorie. Pratique. Stage. Cours. Stage. Cours. Stage. Stage. Stage.